Le repassage euh, d'après euh, Clarisse Juranville. On appelle repasseuse l'ouvrière qui, après que le linge a été lavé par la blanchisseuse, en enlève les plis et lui donne du brillant et de la raideur en passant et repassant sur l'étoffe. Sur Encore humide et quelquefois empesée, un fer chaud qui la sèche subitement, écrase et resserre les fils froissés, gonflés et distendus par les opérations du lavage la repasseuse n'a pas seulement à passer le fer sur le linge, elle a aussi à lui donner de l'après, c'est-à-dire l'emploi, dissolution d'amidon dans laquelle on trempe les parties qui, nous, qui doivent être empesées. la science de la repasseuse consiste à bien préparer cet emploi, à le maintenir dans un état convenable de fluidité, à savoir manier le fer avec adresse, de façon à ne pas laisser des parties plus brillantes ou moins fermes les unes que les autres. Le linge à repasser doit être soigneusement enveloppé jusqu'au moment où l'on procède au repassage. Quand on vient, quand vient ce moment, on humecte au, au degré convenable seulement la quantité de linge qui peut être repassée en une seule fois. On retourne le linge à l'endroit et on le table. Pour le tabler, il faut, après l'avoir humecté d'eau bien claire, le secouer, le dé- et le dérider en l'étirant dans tous les sens, puis le plier en deux ou en quatre et l'entasser pour que l'humidité le pénètre partout également. Il convient que le linge soit séparé par espèces. En repassant tout de suite une série de pièces de même nature, on expédie mieux et plus vite la besogne. On mettra donc à part les chemises d'hommes, celles de femmes, les, les jupons, les cols, les mouchoirs de poche, etc. Toutes les pièces qui doivent être plissées ou empesées seront également mises à part. Les cols, les poignets et le devant des chemises d'hommes sont mis à l'amidon cru. Les étoffes claires, pour les étoffes claires, on emploie l'amidon cuit en degré d'épaisseur convenable, puis on les enveloppe dans un linge sec. Afin d'employer les fers au repassage, avant d'employer les, les fers au repassage, il convient de les essuyer soigneusement sur un linge. S'ils ne coulent pas bien, on les frotte avec un peu de cire. La repasseuse, pour repasser le linge uni, doit choisir le moment où le feu est le plus ardent et où le fer est le plus chaud. Lorsque le fer a perdu son ardeur, elle repasse les petits objets. La table destinée au repassage doit être suffisamment large et plus haute que les tables ordinaires. On étend dessus une couverture de laine pliée en double ou en triple, et par-dessus la couverture, une nappe en toile assez fine et unie. La couverture et la nappe seront fortement tendues au moyen de cordons qui se rattachent sous la table. À défaut de table, on peut disposer de la même manière une planche qu'on place sur des tréteaux. Le linge, à mesure qu'il est repassé, doit être plié. À l'endroit et uniformément, c'est-à-dire que les pièces semblables seront pliées dans la même forme et dans la même dimension. Il faut adopter une juste mesure. Plier trop grand, le linge est embarrassant pour être rangé dans les armoires. Plier trop petit, il ne peut être solidement empilé. Pour donner au linge une fermeté, un brillant ou teinte satinée qu'on n'obtient pas en employant l'amidon seul, on mélange à l'amidon un huitième de son poids de sel de borax ou quelques grammes d'acide stéarique. On pulvérise le borax, on le fait fondre dans un peu d'eau, on le mélange à l'amidon et on fait cuire le tout ensemble en remuant. Quant à l'acide stéarique, on en jette environ 40 grammes dans l'emploi, nécessitant un demi-litre d'eau et arriver à l'état d'ébullition.